Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les villages de Noël et je vais vous présenter ce magnifique bâtiment. C'est la boutique de Noël Star of Wonder. Alors c'est une boutique de Noël de thème Caddington Village en porcelaine, produit Lemax de l'année 2020, produit assez récent. Donc il a un certain poids puisqu'il est en porcelaine. Les dimensions c'est 14,1 cm en largeur, 10,9 en profondeur, donc sur le derrière, et 17,5 cm de hauteur. C'est pas un très très gros bâtiment, je vais vous le rapprocher, vous allez pouvoir le voir, mais vraiment il est très minutieux, très précis. Alors son avantage c'est que c'est un bâtiment qui est lumineux, vous pouvez l'éclairer, donc vous avez deux possibilités. Vous avez derrière la petite lampe qui est ici, vous pouvez la brancher avec un adaptateur ou via un petit boîtier avec des piles tout simplement, et donc ce bâtiment va devenir lumineux. Je vais vous le présenter lumineux aussi également. Voilà, un très très beau bâtiment, vraiment, qui peut égayer votre village de Noël, qui fait pas partie des bâtiments les plus chers, donc c'est vrai que ça peut être très sympa. Alors pour le brancher, il faut, moi je vais le brancher, je vais mettre derrière un petit adaptateur comme ça, mais je vais pas l'allumer tout de suite. Je vais d'abord essayer de lui amener une scène de vie comme ça, vous montrer un petit peu, vous présenter en scène de vie ce que ça représente. On va rajouter des petits sapins, allez hop, du classique, un gros sapin avec un moyen et un petit. On va essayer d'habiller toute cette scène. Je vais rajouter de l'autre côté, je vais rajouter un autre moyen ici avec deux petits de chaque côté. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est une boutique de cadeaux, donc on va mettre un petit Père Noël qui a un sapin ici avec des enfants. Père Noël qui offre des cadeaux. Alors je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Ou peut-être le décaler comme ça. Et puis aussi un couple qui se balade et qui veut faire des cadeaux de Noël. Donc ça, ça amène déjà autre chose. Alors comme vous pouvez le voir, tout de suite, la scène est habillée, tout de suite. On sent un peu plus dans le thème de Noël, voilà, ça met en vie toute cette scène. Allez, je vais allumer le bâtiment. Et voilà. Et donc, allumé. Alors, je ne sais pas s'il y a des manques de luminosité, mais je vois que les lampes ici, elles ne s'allument pas. C'est peut-être des fausses lampes, tout simplement. Ouais, ça a l'air du plastique. Par contre, le bâtiment à l'intérieur est vraiment lumineux, avec les deux, en bas, les deux vitrines que vous avez qui sont bien allumées, les fenêtres en haut qui s'allument. Il y a quand même pas mal de luminosité. Alors, on va le faire tourner, on va voir ce que ça représente. Hop. Sur le côté, vous avez aussi des petites fenêtres avec la petite lucarne en haut qui s'allument, qui sont lumineuses. Alors derrière, généralement, les bâtiments derrière, bon, ils sont juste terminés, mais il n'y a rien de lumineux qui va sortir. Sur le côté, vous avez plusieurs fenêtres. En bas, il y en a deux. Elles sont cachées derrière les sapins. Il y en a une en haut et la petite lucarne en haut aussi. Alors le seul regret, c'est peut-être cette petite lignée de lampes, de fausses lampes, qui ne s'allument pas. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un très très beau bâtiment qui égayera votre village de Noël, vraiment les amis. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas dans les bâtiments les plus chers, mais la finition elle est top, le bâtiment elle est top, il est en porcelaine, donc il a un certain poids, il est très fin, il y a beaucoup de détails à l'intérieur, vous voyez, sur l'extérieur et sur même toutes les finitions, c'est magnifique. Donc voilà les amis, c'était la présentation de la boutique de Noël Star of Wonder, un bâtiment en porcelaine, les Max, pour les villages de Noël. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.